La grande collecte, vos archives appartiennent à l'histoire. Vous possédez chez vous des documents ou souvenirs qui peuvent témoigner des relations entre la France et l'Afrique au cours des 19e et 20e siècles, les vendredis 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016, dans toute la France, en métropole comme en Outre-mer, participez à la grande collecte. Quelle que soit leur forme et quelle que soit la nature des relations qu'ils illustrent, si vos documents sont authentiques et présentent un certain intérêt historique ou une certaine originalité, n'hésitez pas à les faire connaître et à les sauver de l'oubli. Vos souvenirs font partie de notre patrimoine commun. Ils constitueront de nouvelles sources pour l'étude et la compréhension de l'histoire, qui est le fait de chacun et s'écrit aussi dans les familles, grâce aux souvenirs individuels. Les archives collectées contribueront à enrichir l'histoire de 2 siècles d'une communauté de destin, en mettant en lumière l'expérience vécue de nos ancêtres et la réalité des parcours individuels. L'ambition de cette 3e édition de la Grande Collecte est aussi de favoriser une mémoire partagée, apaisée, en montrant que parmi la population française, chacun à sa manière entretient des liens avec l'Afrique. Concrètement, vous êtes invité à confier ou tout simplement montrer, au cours de ces 3 jours de collecte, vos souvenirs aux services d'archives et à leurs partenaires sur tout le territoire de la République. Les personnes qui vous accueilleront sur ces sites évalueront l'intérêt de vos documents pour l'histoire locale et nationale. Les documents et objets peuvent également être apportés par les élèves dans toutes les écoles, les collèges et lycées de France. La grande collecte sera l'occasion d'échanges avec les enseignants et de travaux en classe sur les relations historiques entre la France et le continent africain, en lien avec les programmes scolaires. Retrouvez dès à présent sur le site de la Grande Collecte plus d'informations sur les lieux de collecte et découvrez dans quelques mois une sélection des documents recueillis.